Bonjour, nous sommes le lundi 7 mars 2022, avec une météo qui semble froide à l'extérieur, c'est-à-dire on a eu une gelée nocturne. Une gelée nocturne, mais le ciel est azuré comme ces 5 derniers jours, donc on a une apparence de bon temps, mais la température fait en sorte que on se retrouve vite à une saison qui n'est pas forcément celle du printemps. Bien que la vue, l'observation fait apparaître une vue printanière. Donc on a une vue printanière. Voilà, une vue printanière. Mais c'est pas parce qu'on a une vue printanière que nous vivons un temps de printanier. Dans le sens où il fait quand même froid en température. Donc on est à mi-chemin entre le printemps et l'hiver, sachant que l'hiver termine le 21 mars. Donc ne croyez pas tout ce qu'on voit. Et justement, ça tombe bien parce qu'ici je vais faire une vidéo qui va concerner ce qu'on appelle la démonstration par récurrence. La démonstration par récurrence fait apercevoir une certaine forme d'itération, certaines formes d'itération. Alors pourquoi une certaine forme d'itération? Parce qu'en fait, on tente de démontrer une certaine véracité. Le but, c'est de démontrer une certaine véracité. Ou je dirais une certaine véridicité. Donc une certaine vérité ou une certaine véridique, c'est quelque chose de véridique, qui est vrai, quelque chose qui est vrai. Dans tous les cas de figure, c'est on recherche une certaine vérité. Bon, mais la vérité demande bien sûr ce qu'il y ait investigation. La vérité demande une certaine investigation, une certaine enquête. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pour la recherche de la vérité, ben, ça demande d'investiguer, d'enquêter, de se poser des questions. Voilà, la vérité ne vient pas, ne tombe pas du ciel, comme on dit, hein. La vérité ne tombe pas du ciel si on ne va pas vers une démonstration d'une potentielle vérité ou d'une. Bien sûr, c'est pas toujours vrai, hein. On peut avoir quelque chose de faux. Donc quelque chose qui n'est pas vrai est faux. C'est du binaire, hein. C'est du binaire ici. Donc si c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Si on va dire une proposition n'est pas vraie, c'est qu'elle est fausse. Et si une proposition est fausse, c'est qu'elle n'est pas vraie. C'est vraiment une relation binaire. Alors pour ça, il faudra faire une démonstration ce qu'on appelle une démonstration par récurrence pour démontrer une certaine véracité de ce qu'il y a à démontrer. Le but, c'est de démontrer une vérité ou de détruire une contre-vérité. Parce que on ne démontre pas forcément une vérité, on peut tomber sur une contre-vérité et la démolir. Donc, démolir une contre-vérité. Alors, qu'est-ce qui va démolir une contre-vérité? Ben, c'est une investigation. Qu'est-ce qui va prouver une vérité? C'est l'investigation, c'est l'enquête. Alors, les moyens pour y parvenir, ben c'est une démonstration. C'est une démonstration. Alors, les types de démonstrations, il existe plusieurs types de démonstrations.
notamment les démonstrations par l'absurde qui peuvent elles aussi démonter une contre-vérité ou établir une vérité. Donc il existe les démonstrations par l'absurde. Ici, nous sommes en présence d'une démonstration par récurrence. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine itération qui va intervenir ici, du fait même de la proposition, hein. C'est la proposition qui nous mènera à avoir une certaine itération. Voilà. Donc on essaie de la démontrer c'est-à-dire pour des petites valeurs, et puis on essaie de voir pour des valeurs, on va dire, moyennes, et puis on finit par démontrer la vérité sur base de non plus d'un petit lot, non pas sur un lot moyen, mais sur un lot quelconque. Par exemple, si je prends, on peut prendre quel que soit l'animal que l'on peut prendre, par exemple. Si vous voyez un lapin, vous voyez un lapin blanc, vous voyez un autre lapin blanc, et puis vous en voyez encore un troisième, un quatrième. Bon, on pourrait continuer comme ça, vous en voyez que des blancs, vous vous dites, il n'existe que des lapins blancs. Et puis voilà, tout d'un coup vient un lapin gris. Donc ça vient démolir votre vérité que tous les lapins sont blancs. Bon, cet exemple peut être pris pour n'importe quel type d'animal, hein. Vous pouvez prendre des poules, vous voyez une poule rousse, vous dites, vous voyez une seconde poule rousse, une troisième poule rousse, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. Après la 20e poule rousse, vous vous dites, toutes les poules sont rousses. Mais effectivement, si vous voyez une poule blanche, vous dites que ça a été démonté. Bon. Et donc l'exception va faire en sorte que votre proposition qui était vraie est démolie. Il suffit d'un cas pour venir, par exemple, si je prends un exemple, R fois. Est-ce que R fois est un groupe ou pas? Eh bien, il y a un seul élément qui fait en sorte que ce n'est pas un groupe. C'est si vous testez tous les éléments de R, ils font apparaître qu'on a un groupe. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, il y a un élément qui est 0 plus 0j, qui n'est pas inversible, qui lui fait en sorte qu'on n'a pas un groupe, rien qu'à cause de lui. Alors pour dire qu'on a un groupe, mais il faut l'enlever. 0 plus. Ouais, je parle de. Enfin, je parle pas des complexes, je m'excuse. Je parle des réels. Je parle des réels, pas des complexes. Donc si j'enlève le 0, c'est le seul qui n'est pas symétrisable pour la loi multiplicative. Donc ceci, c'est bien un groupe, alors que ceci n'est pas un groupe. Rien qu'à cause d'un élément. Alors, si vous aviez testé tous les éléments, vous auriez dit, ouais, mais ça marche pour tout. Non, il suffit d'un seul, et le zéro fait en sorte qu'on n'ait pas un groupe. C'est le seul qui tient exception à la règle, et qui fait qu'il n'est pas inversible. Et comme il n'est pas inversible, on n'a pas le symétrique. Si on n'a pas le symétrique, ce n'est pas un groupe. Alors, je vous rappelle, pour avoir un groupe, il faut une loi de composition interne est partout définie, l'associativité, le neutre et le symétrique. Là, on a un groupe. Mais, du fait que 0 n'est pas inversible, voilà, on n'a pas là l'inversibilité de tous les éléments, parce que ça doit être valable pour tous les éléments. Or, il y en a un qui fait exception, donc il faut l'enlever. Pour avoir un groupe, il faut l'enlever. Et si vous l'enlevez, vous avez un groupe. Donc, vous voyez que. Et pourtant, R est infini. R est un ensemble infini d'éléments. Et donc, il suffit d'un seul pour que. Voilà. Un seul fait en sorte qu'on n'a pas un groupe. Un seul élément. Donc, ici, c'est pareil. Il suffit d'un seul élément pour venir contrecarrer, venir démolir une possibilité d'acceptation de vérité.
La vérité, il suffit d'un seul pour démolir cette vérité et en faire une contre-vérité. Bon, on peut démolir une vérité, mais on peut démolir une contre-vérité aussi, hein. Donc ça, ici, c'est dans les deux sens, hein. Démolir, c'est démolir soit une contre-vérité ou une vérité. Voilà. Si vous dites que c'est faux, je peux démontrer que c'est vrai. Si vous dites que c'est vrai, je peux démontrer que c'est faux. Voilà. Ça va dans les deux sens. Alors, les moyens ici pour y parvenir seront dans la démonstration, non pas par l'absurde ou par d'autres méthodes, il y a différents types de démonstration. Sera démonstration par récurrence, par une itération, quelque chose qui va revenir assez souvent. Alors, le tout, c'est de prouver pour des petites valeurs, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe, on s'en fout. Et puis après, faire en sorte qu'on ait une vérité qui commence à s'installer à partir d'une génération de la vérité. On génère la vérité. Et puis, il faut conclure la vérité quand on a tous les éléments en place pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Donc, ça va demander une démonstration. Donc, il y a ce qu'on appelle une articulation de la démonstration par récurrence. Alors ici, dans cette vidéo, je ne ferai pas la formulation. La formulation, je la ferai dans une vidéo suivante. Et je vous montrerai la formulation. Mais en tout cas, l'articulation. Alors, dernière chose avant de parler de la vérité ou d'une contre-vérité. Tout d'abord, je vous ai dit qu'il y avait, pour trouver une vérité, il faut une investigation. Alors, vous pouvez rencontrer dans la vie courante des investigations de toutes sortes. Les statistiques, tant qu'elles sont, ne sont pas... S'ils sont non orientés, bien sûr, il ne faut pas que ça vous les statistiques ne soient pas posées sur des questions un petit peu, je veux dire, orientées, ou des statisticiens qui trichent. C'est-à-dire que là, vous avez une orientation de la statistique. Bien, l'investigation statistique est une forme de recherche de la vérité. Est une forme de recherche de la vérité. Pour autant qu'il n'y a pas d'orientation dans cette investigation, dans ces enquêtes. Alors, il y a des investigations de tout acabit qui peuvent. Voilà, on peut retrouver ça sous forme d'enquête, une enquête hein, de toutes sortes, hein, des sondages, des recherches de panne, parce que c'est aussi faire une recherche de panne, c'est une investigation. Hein. On recherche la véracité du composant électronique, par exemple, si c'est un composant électronique, la véracité du composant électronique qui aurait pu défaillir. Ou encore, du composant ou des composants ou du système qui aurait pu défaillir. Une panne électronique, c'est la même chose. On recherche quelle est la raison d'être véridique de la mise en panne. Enfin, de la panne d'un système informatique. Alors, on peut prendre toutes sortes de types de systèmes, quel qu'il soit le système. Recherche de panne est une recherche de vérité, parce qu'on recherche le composant qui est l'organe qui serait tombé en panne. Par exemple, si je prends l'automobile, vous recherchez quelqu'un qui a une panne de véhicule, mais on a le mécanicien automobile qui va rechercher la cause de la panne, la vérité qui cause la panne. Panne du véhicule d'un client. Alors bon, si pour rechercher la vérité, il va aller par phasage, par décomposition. Voilà, s'il a une panne électrique, il va pas aller voir le pot d'échappement. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, il a une technique par dichotomie, il va décomposer le problème pour savoir. Bon, vous aurez compris que si vous avez une panne électrique, il faut aller chercher dans le système électrique. Hein. On va pas regarder les roues, on va pas regarder voilà, le pot d'échappement, ou les sièges, ou peu importe. Hein, voilà. Donc, par dichotomie, il va savoir que c'est le système électrique. Et puis, quand il sait que c'est le système électrique, encore une fois, il va faire une dichotomie dans le système électrique pour rechercher le type de panne. Alors, pour se rendre compte, en finalité, et retrouver la vérité de la panne, qui serait peut-être une panne de batterie, une panne de système électrique, ou une panne soit de batterie, ou soit d'alternateur, une panne
de certains fusibles, voilà, du véhicule, ou voire de, comment est-ce qu'on appelle ça, des relais de l'auto, certains relais composants électriques qui sont des relais qui auraient pu défaillir. Et donc, il va faire une recherche et voir par dichotomie la cause de la panne. Et donc, c'est une recherche de vérité aussi. Donc, la vérité n'est pas là où on l'attend, n'est pas que dans les. La recherche de la vérité n'est pas forcément que dans les tribunaux, loin de là. Hein. C'est vrai que dans les tribunaux, c'est une recherche de vérité aussi. Quoique, bon, il y a. On peut discuter parce que justement, il faut la démontrer, cette vérité. Alors que, bon, on est en face des tribunaux, des personnes qui tenteront de faire tout en sorte pour ne pas dire la vérité, la cacher, pour ne pas être condamné. Donc voilà, parce que la vérité au tribunal nécessite bien sûr une peine. On est puni avec une condamnation en arrière-plan. Donc là, la personne qui ne veut pas être condamnée, bah, va faire en sorte de mentir le plus, pour essayer d'avoir le plus, voilà, de position à son intérêt. Mais le mensonge n'est pas forcément le bienvenu parce que la justice, justement, viendra démontrer, pourra démontrer, je veux dire, et démolir voilà, certaines choses qui sont dites. La justice peut démolir par des preuves, bien sûr. Hein. On ne démolit pas une vérité, une contre-vérité, par du blabla. Ça se fait par des preuves. Hein. Bon, il y a des enquêtes derrière, des enquêtes policières, des enquêtes judiciaires. Et donc, c'est à partir de là que, quand une enquête elle est montée, ben, ça permet de dire que on a une certaine forme de vérité ou pas. Donc, les investigations ne sont pas forcément de type statistique, voire de type judiciaire ou autre, mais elle peut être de tout type, hein. Recherche de panne dans un garage automobile, ben, ou une recherche de panne informatique ou électronique, c'est une recherche de vérité. La religion aussi est une forme de recherche de religion, de vérité. Bon, certaines religions font en sorte que toute une vie, on est à la recherche de, voilà, de la vérité. Alors pour ça, on a ici une articulation qui va se faire. Moi ici, c'est une démonstration par récurrence mathématique. Bien sûr, vous aurez compris que c'est un point de vue mathématique. Mon point de vue ici est mathématique. Mathématiques, ce qui veut dire que dans mon point de vue mathématique, je vais démontrer, faire des démonstrations par récurrence de d'égalité, par exemple, démontrer une égalité, pourquoi pas, démontrer par récurrence une inégalité, et je peux aussi, pourquoi pas, il n'y a pas que un établissement de démonstration par récurrence pour les égalités et les inégalités. On peut aussi démontrer des propriétés. Alors, maintenant, si vous n'avez pas d'autres démonstrations pour certaines propriétés, et que la démonstration par récurrence est possible, eh bien, elle est la bienvenue, parce que s'il n'y a pas d'autres démonstrations, la démonstration par récurrence est la bienvenue. Donc elle pourra aider à retrouver, je veux dire, des propriétés mathématiques. Parce qu'ici, bien sûr, je me situe dans le contexte de la vérité. Bon, encore une fois, pour me situer dans un autre contexte qui n'est pas mathématique, est-ce que le point de vue mathématique sera compliqué? Ça va nécessiter un développement. La démonstration par récurrence nécessite un développement. Pourquoi? Eh bien, c'est un petit peu comme dans la vie courante, une investigation nécessite de la recherche. Rechercher, le fait de, voilà, de balancer comme ça une contre-vérité est assez, tout est aisé. Tout le monde peut dire quelque chose qui est faux. C'est très facile de dire quelque chose qui est faux. Mais démontrer que c'est vrai, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça va demander, je veux dire, des enquêtes. Une investigation, des enquêtes, une recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité, ben, bon, sera plus difficile que
que de balancer une contre-vérité. Balancer une contre-vérité, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit de. Voilà, si c'est verbal, bon, il suffit de le dire. Hein, voilà. Je peux dire que. Voilà, il y a une soucoupe volante dans le ciel. Voilà, c'est aussi facile que ça. Maintenant, pour montrer qu'il y a une soucoupe volante dans le ciel, ben, il faut aller rechercher des. Voilà. Faut aller téléphoner au bureau. Voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des bureaux de recherche d'objets non identifiés, ça existe. Hein, UFO. Unidentified Flying Object, il existe parce que. Ce que la personne aurait pu voir dans le ciel, ben ça peut intéresser beaucoup de gens. Ça peut intéresser par exemple des astrophysiciens. Peut-être que la personne a vu vraiment quelque chose dans le ciel et c'est, ça concernait voilà, une vue, une observation dans l'espace. Donc il s'est passé quelque chose dans l'espace que seules certaines personnes auraient vu. Ou quelques personnes auraient vu, hein, du fait que peut-être ce serait arrivé à une soirée que tout le monde dort et qu'une personne était éveillée, elle l'a vu, ou en matinée, très tôt en matinée, on rencontre très peu de personnes, mais peut-être une personne l'aurait vu à 5 h du matin, voilà, et pas d'autres. Et donc ça demanderait, je veux dire, une investigation, par exemple, d'un bureau spécialisé tel que le bureau qui s'occupe, voilà, de l'étude des objets non identifiés et qui peut intéresser beaucoup de monde, notamment voilà, les astrophysiciens ou encore voir les militaires, parce que ça pourrait être un objet militaire qui aurait été lancé au loin. Voilà, et qui intéresserait les militaires. Donc vous voyez que c'est toujours bon voilà, de faire une enquête et de savoir ce qu'il en est. Bon, maintenant, si c'est un mensonge, elle sera vite balayée par une enquête, hein. L'enquête pourra vous démontrer que la personne fabule. Et donc, pour dire une contre-vérité, il est beaucoup plus facile de la dire. Si on a vu un objet non identifié, bon, il y en a, ils vont fabuler. Beaucoup de gens vont fabuler. Et donc, il sera très difficile de démonter cette fabulation parce qu'il faut faire une enquête. Une enquête de terrain. Et maintenant, pour dire quelque chose qui est faux, c'est facile. Pour démontrer quelque chose qui est vrai, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on dit que l'adage, suivant l'adage, le mensonge prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. Ah, ça veut dire que c'est plus facile de dire une contre-vérité que de démontrer une vérité. Dire que toutes les poules sont blanches. Bon, c'est simple à dire. Maintenant, pour prouver que toutes les poules sont blanches, c'est déjà plus compliqué. Voilà. Donc, ici, on aura des récurrences d'égalité, des récurrences d'inégalité, des récurrences de propriété. Et pour démontrer ça, du point de vue mathématique, mais il y aura une articulation. Alors, comment on va s'articuler? C'est comme un corps humain. Un corps humain est articulé par, bien sûr, des os. C'est les os qui font. Voilà. Si on n'avait pas d'os, on serait mou, on tomberait par terre. Il faut le bâtir. Il faut le bâtir. Voilà. L'articulation se bâtit sur du solide, sur quelque chose de solide. Qu'est-ce qui est solide? Ben, ce sont les os. Les os du corps humain sont solides. Si vous prenez une habitation, qu'est-ce qui fait le corps de l'habitation? Mais vous aurez compris que c'est le gros œuvre. Le béton, c'est tout ce qui est béton, bloc à béton. Voilà, c'est tout ça qui fait le gros œuvre. Donc, il faut quelque chose de solide pour la construction. Alors, l'articulation doit être solide. Pour prouver quelque chose, il faut quelque chose de solide. Bon, on peut avoir on n'a pas toujours des poutres. Bien sûr, il y a des étages. Parfois, on peut avoir des poutres en bois, hein, des poutres en bois, ou voir des poutres en acier dans les habitations. C'est pas forcément toujours, voilà, des ourdis. On n'a pas toujours des ourdis. Hein, voilà. Alors, les articulations. Enfin, l'articulation va se mener en 3 points.
on aura 3 points. 1, 2, 3. Voilà comment on va se faire la démonstration. Elle va se faire en 3 points. Premier point. Deuxième point. Et ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours 3 points. Ou si vous voulez, on peut parler aussi de phasage. De phasage. Alors ça va se faire par phase. On a une première phase qui dit, bon, c'est peut-être vrai. Il y a une seconde phase qui dit, bon, bah, effectivement, c'est vrai jusqu'à un certain point. Et puis en finalité, on se dit, oui, c'est vrai. Si c'est vrai jusqu'à un certain point, c'est que c'est vrai pour les autres, pour tous les autres points. Donc il y a un phasage. Donc au départ, on est sceptique. On a un certain scepticisme on est sceptique, mais on regarde, on fait une observation. La première, c'est une observation. La seconde, c'est le cœur de la démonstration. Celui-ci, la deuxième étape, c'est le cœur de la démonstration. C'est là où tout va être bâti. Le point de vue le plus solide, il est là. Le cœur de la démonstration. Et enfin, le dernier, il vient en tant que, on va dire, conclusion. Ben, conclusion de quoi? Ben, de la vérité. Si c'est une vérité ou contre-vérité. Donc, elle se fera sur base de trois étapes. Et ces trois étapes, on peut les dénommer autrement. Alors, quand je dis phase, phasage, on peut appeler ça par étape, parce qu'il y a trois étapes. Phasage, une succession d'étapes. Ça, c'est l'articulation. Alors, l'articulation va être menée sur base de trois étapes. On a la phase initiale. La phase initiale, la phase intermédiaire ou l'étape initiale. La phase intermédiaire et la phase finale. Voilà, donc on a les trois phases. Alors, je pourrais mettre ces trois phases suivant la phase initiale sera toujours une phase, on va dire, de sincérité. C'est-à-dire, bon, on essaie de trouver qu'il y a bien une relation d'égalité, d'inégalité, de propriété qui se décline. Donc, si on a un point de vue sincère qui s'engendre, bien sûr, la sincérité s'engendre. Hein. Elle s'engendre. C'est-à-dire que toutes les poules sont blanches, ben on va commencer à en comptabiliser une par une. Voilà. On en fait rentrer une, elle est blanche, on en fait rentrer une seconde, elle est blanche, on fait rentrer une troisième, elle est blanche, on se dit, ben, peut-être que toutes les poules sont blanches, parce qu'à partir de la troisième, elle est blanche, la quatrième est encore blanche, la cinquième est encore blanche. On peut se dire, bon, toutes les poules sont blanches. Donc c'est une construction de la sincérité qui va par bien sûr génération. Hein. On ne sait pas après deux poules qu'on va s'arrêter. On va se dire, bon, on va essayer quatre poules, cinq poules. Après 10 poules, on va se dire, ouais, bon, c'est il y a une tendance qui se dessine vers la véracité. Donc on a ici ce qu'on appelle une génération de cette sincérité. Donc le processus ici, il est générateur. On a un processus qui est
générateur. Donc on a une certaine sincérité qui pourrait découler et par un processus qui est dit générateur. Ensuite, la phase intermédiaire, ben, c'est quelque chose qui va faire partie de ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la sincérité, il y a une forme de fidélité. Bien sûr, fidélité par l'entremise de... Et c'est ça qui fait l'articulation de démonstration par récurrence, c'est on aura des indices. Hein. Ce sera une démonstration indicée hein. Par l'entremise d'indices. Hein. L'entremise d'un indice I, voilà, vous allez entrevoir une certaine fidélité. Alors là, on avait un comptage. On le fait par comptage, c'est vrai pour une certaine... En fait, je dirais même ici, c'est un test. On va tester les valeurs. Hein. On fera un test. À l'étape 1, on va tester certaines valeurs. Et puis après, on va mettre en place un indice pour avoir certaines fidélités. Une certaine forme de fidélité. Alors, quel processus ça va apporter? C'est un processus d'hérédité. C'est un processus d'hérédité ou erré. Un processus héréditaire, c'est-à-dire que il faut engendrer cette forme d'égalité ou de propriété ou d'inégalité ou de propriété, faut si elle se transmet, je veux dire à partir des générations précédentes, elle se transmet à des générations suivantes. Alors les générations suivantes, vous aurez compris que c'est par l'entremise d'un indice I plus 1. Alors, on a un processus héréditaire à partir de ce qui est précédemment connu. Eh bien, on va engendrer l'égalité ou l'inégalité ou la propriété qu'on recherche dans le futur. Donc, c'est une histoire de passé à futur. Donc, on va passer du passé, des observations du passé et de faire entrevoir une relation dans le futur, bien sûr, cette relation est à avoir avec, bien sûr, la sincérité qu'on démontre, qu'on veut démontrer, hein, cette sincérité, au travers du processus générateur. Donc on a un processus générateur, on a un processus héréditaire, et enfin, vous aurez compris qu'on aura une phase finale, qui est, on va dire, une véridicité. Ou une véracité. Oui, une véracité, si c'est vrai. Si c'est pas vrai, on vous dira c'est pas vrai. Véracité ou véridicité. Voilà, donc on a une sincérité en première étape, une fidélité en seconde étape, une fidélité, à partir du passé, on construit le futur, et on aura une certaine, en étape 3, on aura une véridicité par un processus de conclusion. Ou un processus, je dirais, d'affirmation. Là, on peut affirmer. Parce que là, on peut affirmer. Hein. La véridicité, on peut faire un processus d'affirmation. C'est une conclusion. On conclut l'affirmation, c'est vrai ou pas. Voilà, et ça c'est l'articulation. Alors maintenant, si j'en viens à la formulation, eh bien, bien sûr, ici, l'étape 1, comme je vous l'ai dit, c'est les tests. On va tester pour quelques valeurs.
Bon, si on trouve une contre-vérité, ben, à ce moment, on peut s'arrêter, hein. Si on trouve que c'est pas vrai, pour quelques valeurs, bon, on peut arrêter, là. Bon, ça peut arriver. D'ailleurs, je vais vous montrer des exemples par après, dans une autre vidéo, bien sûr, que, y a certaines formules qui paraissent vraies jusqu'à n, enfin, jusqu'à une certaine valeur n, et puis, quelques valeurs après, ben, c'est plus bon. Bon, c'est pour ça qu'il faut se méfier des formules, et donc le test peut s'arrêter, hein. C'est le processus. S'il y a une certaine forme de sincérité, que vous tombez sur n, un certain n, vous avez testé 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça marche, et le cinquième, ça marche pas, vous arrêtez le processus, il n'y a pas de phase intermédiaire, ni de phase finale. Hein. Il faut savoir arrêter, parce que le tout, c'est dans l'articulation de la démonstration, c'est de pouvoir démontrer une certaine véracité. Hein. Si c'est pas vrai dès la phase initiale, vous arrêtez, vous stoppez, hein. Vous avez trouvé un contre-exemple, c'est fini. Donc, on va tester. Donc, la formulation. Vous faites des tests pour, je sais pas, quelques valeurs. Alors, ne faites pas de valeurs, hein. Vous allez quand même faire quand même 6, 7, 8, 9, voire 10 valeurs. Hein. Faut quand même prouver quelque chose. Parce que bon, si vous en faites que deux, c'est pas suffisant. Bon. Test pour quelques valeurs. Ensuite, là, vous direz pour la phase intermédiaire, la phase intermédiaire, le processus héréditaire. Supposons que la proposition qui peut être une égalité, une inégalité ou une propriété, la proposition soit vraie parce que c'est une proposition, soit vraie jusque i. Essayons de prouver qu'elle est vraie pour le futur. I plus 1. Donc vous voyez que ça nécessite un indice d'office. Alors, si vous avez pu démontrer ça, donc la première étape est vraie. Supposons que la première étape soit validée. Et que vous arrivez à valider la seconde étape. Que vous retrouvez la même proposition pour i que pour i plus 1. Enfin, vous avez la même proposition de départ. Bien sûr, c'est test de quelques valeurs de la proposition. Hein. On teste une proposition ici. Alors, supposons que vous avez réussi à valider l'étape 1, vous validez l'étape 2, eh bien, c'est que ça veut dire que là, vous avez quasiment dit que la proposition était vraie. Donc, comme le processus est héréditaire, il suffit de dénoncer quelle sera. Des moments où elle est héréditaire, vous passez de 2, vous passez à l'étape 3. Alors, si elle n'est pas héréditaire, à ce moment-là, vous arrêtez. Vous arrêtez, c'est fini. On ne peut pas affirmer. Vous arrêtez dans le sens le processus d'affirmation. À la rigueur, vous pouvez dire, vous passez à l'étape 3, vous dites, bon, c'est pas vrai. S'il n'y a pas de processus héréditaire, vous pouvez arrêter, faire l'étape 3 et vous dites, bon, c'est pas vrai. Voilà. Et maintenant, si. De toute façon, l'étape 3 sera toujours obligatoire, c'est pour dire si c'est vrai ou pas. Alors, si le processus héréditaire, si la phase initiale, la sincérité est acceptée, vous passez à la phase intermédiaire, et là, si elle est acceptée, vous passez à l'étape 3. Mais maintenant, si la phase intermédiaire n'est pas acceptée, mais vous passez à l'étape 3 aussi pour dire que c'est pas vrai. Voilà, on va dire ça comme ça. L'étape 3 est une conclusion, donc il faut savoir affirmer que la proposition
est vraie ou fausse. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, vous devez passer par l'étape 3. Et l'étape 3, bien sûr, si vous faites en sorte que la phase finale, la véridicité, est acceptée, le processus d'affirmation, vous dites que la proposition est vraie, si la proposition est vraie, eh bien, il faudra faire toute une... qui est toujours la même, hein, c'est toujours la même chose. L'étape 3 n'est qu'une confirmation, voilà, du processus héréditaire qui est accepté. Et donc, ce sera toujours la même chose si le processus héréditaire est accepté. Nous savons que la proposition est vraie pour n égale 1. Alors pour n égale 1, ben ça vous allez le chercher dans la phase initiale. Hein. Au moment où vous allez tester pour n égale 1. C'est la phase initiale qui va vous dire que n égale 1 est vrai. La proposition sera vraie ou fausse là-bas, en étape initiale. Et je dirais n égale 1 même 2, 3, 4, 5. Si vous avez testé en phase initiale jusque 5, par exemple. Donc la phase initiale vous permet de dire que vous êtes c'est vrai jusque 5 en phase initiale. Hein, ici vous avez testé pour 5 valeurs. Par exemple, hein, vous avez pris n égale 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc nous savons que la proposition est vraie pour n égale 1, même 2, 3, 4, 5, parce que vous l'avez testé à l'étape 1. Et vous dites, et lorsque, je ne sais pas si j'arriverai à écrire tout ça ici, mais je vais l'écrire en plus petit. Voilà. Et vous direz, c'est toujours la même formulation, hein. Et que lorsqu'elle est vraie, jusqu'à une certaine valeur, elle est vraie. Jusqu'à une certaine. Alors, qu'est-ce qui va vous dire ça? C'est le processus intermédiaire. Hein. Enfin, c'est le processus héréditaire. C'est la phase intermédiaire, c'est le processus héréditaire. Lorsqu'elle est vraie jusqu'à une certaine valeur, elle est vraie pour la suivante, qui est le futur. Donc là, c'est un processus itératif ici. Lorsqu'elle est vraie jusqu'à une certaine valeur, elle est vraie pour la suivante. Et ça, vous le pratiquez plusieurs fois. C'est une séquence qui est, on va dire, bouclée. Là, on a une boucle. On a une boucle. Donc ici, c'est un processus de bouclage. L'affirmation va nécessiter un bouclage. Bouclage, ça veut dire que si elle est vraie jusqu'à une certaine valeur, elle est vraie pour la suivante. Et si elle est vraie pour cette suivante, elle est vraie pour une autre suivante. Si elle est vraie pour cette autre suivante, elle est vraie pour une autre suivante. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc on pourra trouver toujours, je veux dire, un suivant
qui va vérifier cette proposition. Voilà, donc le pas initial, c'est la phase initiale. Donc on peut parler de pas. Alors si je parle en tant que pas, on aura pas initial. Voici. Le pas récurrent. Et voilà pourquoi on parle de récurrence. C'est parce qu'on a voilà, un pas qui est récurrent. Donc c'est une formulation de l'hypothèse de récurrence. Supposons que la propriété soit vraie jusque i, prouvons qu'elle est vraie pour i plus 1. Donc c'est le processus héréditaire. Et le processus de bouclage, la phase finale, c'est le pas final. Alors dans le pas final, étant vrai pour à partir d'un certain rang, supposons que n vaut 1, c'est vrai pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, elle est vraie jusqu'au rang 5. Alors si elle est vraie jusqu'au rang 5, ben, elle sera vraie pour le rang i plus 1, le rang 6. Voilà, elle sera vraie pour le rang 6. Si elle est vraie pour le rang 6, elle sera vraie pour le rang 7. Si elle est vraie pour le rang 7, elle sera vraie pour le rang 8. Si elle est vraie pour le rang n, n0, n0 c'est voilà, un rang bien défini, ben, elle sera vraie pour le rang n0, et quel que soit n. Donc on a ici une forme de bouclage dans le pas final qui permet de dire que si c'est vrai pour le passé, c'est vrai pour ce nouveau futur. Alors ce futur devient un passé. Si c'est vrai pour ce nouveau passé, c'est vrai pour un nouveau futur. Alors ce nouveau futur devient un pas. Un passé. Donc je peux formuler ça comme ça. Dans une ligne du temps. Temps s'écoulant dans ce sens-là, de la gauche vers la droite. Alors ici, vous démontrez que la formulation est vraie. Formulation vraie pour un indice i. Vous allez dire que elle sera vraie pour un indice i plus 1. La formulation est vraie pour i plus 1. Alors ce nouvel indice i plus 1, ça c'est le passé, ça c'est le futur, eh bien ce futur devient un nouveau passé. Avec un nouveau passé, donc i, et on se retrouve avec un i plus 1. Alors ça c'est le passé maintenant, et ça c'est un nouveau futur. Voilà, eh bien le nouveau futur devient un passé. Passé, donc on aura i, donc je dois définir i plus 1, et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis que c'est un processus de bouclage. Et on peut se dire que on peut avoir un effet d'entraînement où la démonstration, la formulation de l'hypothèse est vérifiée, je veux dire, à des rangs, je veux dire, divers, à des rangs divers. Alors, à un moment donné, bon. Vous dites que vous fixez un rang et vous dites que si à partir de ce rang, quel qu'il soit, quel que soit n 0 appartenant au naturel, par exemple, eh bien que ce sera vrai pour n0 plus 1. Quel que soit, là il y a le quel que soit, n appartenant à n0 appartenant à n, appartient d'un rang, mais c'est vrai pour un rang donné, le passé du rang donné sera la formulation de l'hypothèse de départ, sera vrai pour un passé, quel que soit le rang que vous allez prendre, mais elle va donner une vérité pour le futur.
La formulation de l'hypothèse sera vraie dans ce passé que vous avez pris, quel que soit n0 à un rang donné, la propriété sera vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire dans un nouveau futur qui va faire en sorte que la formulation de l'hypothèse, ça c'est la formulation de l'hypothèse, sera vraie. Le tout, c'est, vous avez remarqué que c'est quoi? C'est engendrer une formulation d'hypothèse qui s'engendre et qui se perpétue continuellement. Je m'excuse. Qui se perpétue continuellement. Et donc, si on voit qu'elle se perpétue continuellement de passé à futur, on dit qu'on va rechercher un rang quel qu'il soit. Et quel que soit ce rang-là, si on prend, s'il devient une hypothèse qui est, on va dire, prise comme affirmative, elle est considérée comme passée, à partir de ce rang, le futur est aussi une affirmation de cette proposition qui est une formulation d'hypothèse qu'on tente de démontrer comme étant vraie. Donc c'est une perpétuation continuelle de passé à futur, passé à futur. Le passé, on démontre que la propriété est vraie dans le passé et qu'elle est vraie dans le futur. Mais que ce futur devient un nouveau passé. Et donc la vérité de ce passé devient vérité dans un nouveau futur. Et que ce nouveau futur devient un nouveau passé, et ainsi de suite. Et on permet d'engendrer, je veux dire, une formulation par récurrence qui permet de dire que la propriété soit vraie, quel que soit le rang que vous allez prendre. Donc, ici, la formulation, ici, il y a un invariant. Il y a un invariant. Dès le moment où le cœur de la démonstration, je vous ai dit que le cœur de la démonstration est ici, ça c'est le cœur. Le cœur de la démonstration, j'avais dit que c'était ici. Le cœur de la démonstration, il est là. Donc, la grosse partie de démonstration se fera là. Parce que ce qui est là, c'est juste, ça sera toujours la même chose. Si vous arrivez à démontrer, bien sûr, l'étape 2. L'observation, c'est des tests. Ça, vous serez obligé de les tester. Mais le cœur de la démonstration, là, c'est là que se fera toute la démonstration. Donc, démonstration par récurrence, la vraie démonstration se fait en étape 2. Le 3, c'est juste une phrase, des phrases que vous mettez toujours de la même façon. Donc, une fois que vous l'avez mis, vous pouvez même faire un copier-coller de ces phrases. Parce que, ces phrases-là, elles reviennent tout le temps. À chaque démonstration, démonstration par récurrence, la conclusion, c'est toujours la même. On a toujours la même conclusion. Le but, c'est d'arriver à une conclusion qui est toujours la même et qui prouve que votre démonstration tienne la route. Donc, le gros, dans les problèmes de démonstration, l'observation, tout le monde peut le faire. Tout le monde sait tester des formules. Ce point de vue-là, je dirais que ça, et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est évident. Tout le monde sait tester par observation des formules. Il suffit de les tester, ça, tout le monde sait faire. Et chercher n'importe qui, peut vous tester ces formules-là. Maintenant, la conclusion, tout le monde peut taper la même conclusion. Il s'agit de 4-5 phrases qui sont toujours les mêmes. Étant vrai pour n égale n0, quel que soit n, je veux dire, sachant que c'est vrai jusqu'à à i, elle est vraie pour i plus 1, elle est vraie, donc vraie pour n0 plus 1, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On sait bien que c'est un processus de bouclage. Voilà. Donc, ce qui va être. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'observation, c'est à la portée de tout le monde. Vous testez vos formules, ce qui vous sont données, vous les testez, ça, tout le monde sait le faire. Et les conclusions, ça, tout le monde sait le faire. Maintenant, il reste le cœur de la démonstration. Là, le cœur de la démonstration, il y a des démonstrations qui sont faciles, des démonstrations plus difficiles. Donc, tout va se baser sur le passé-futur. Passé-futur, c'est-à-dire que vous devez introduire, pour avoir de passé futur, des indices qui permettent de distinguer le passé et le futur. Comment on met des indices pour distinguer le passé et le futur? C'est de mettre un indice du passé et un indice du futur. C'est-à-dire un indice du passé, c'est i, et un indice du futur, c'est i plus 1.
Voilà, vous serez à, on va tester pour une étape suivante. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Oui, attention qu'ici, ça c'est l'articulation. Et on a bien sûr la formulation. Voilà, c'est toujours même, la même chose, hein. Donc le tout, c'est de ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut vraiment faire très attention dans la démonstration, ben, c'est l'étape 2. C'est l'étape 2 qui est le cœur de la démonstration. Par récurrence, ce qui fait que c'est là que vous devez faire le plus attention pour pouvoir faire votre développement. C'est un développement au cœur de la démonstration. Alors maintenant, tout dépend de ce qu'on doit démontrer. Une démonstration n'est pas l'autre. Il y a des propositions qui sont plus facilement démontrables que d'autres propositions. Une proposition n'est pas l'autre. Hein. Bon, c'est comme dans tout, il y a des choses faciles, des choses moyennes. Des choses difficiles, des choses très difficiles et des choses encore beaucoup plus difficiles que les difficiles. Donc tout dépend, donc dans les degrés de difficulté, ben, ça dépend des propositions qui sont, je veux dire, qui sont données. Hein. Voilà. Tout dépend des propositions qui sont données. Une démonstration n'est pas l'autre. Une démonstration n'est pas l'autre. Voilà. Donc ça va demander bien sûr une forme d'analyse. Analyser comment peut-on créer une formulation du passé pour avoir une formulation, je veux dire, nouvelle. Je vous remercie.